Je suis Hervé Petit, je suis directeur de recherche à l'INSERM. On travaille dans le domaine médical de l'orthopédie. On va travailler sur le ligament, la réparation osseuse et l'imagerie osseuse. Quand il y a une fracture dans l'os et que cette fracture est importante, elle ne va pas pouvoir réparer spontanément. On va prélever du tissu osseux du patient, en général au niveau du bassin. Ce tissu osseux, on va le remettre en lieu et place du défaut osseux. Et il va aider à la réparation de la fracture. On a développé aussi des biomatériaux. Et ces techniques marchent très bien quand le défaut il est de petite taille. Puisque vous avez autour des cellules qui vont venir du patient, coloniser cet implant et former le tissu osseux. Par contre, quand le défaut est de plus grande taille, cette méthode ne fonctionne plus. L'autre façon qui est plus directe et qu'on étudie particulièrement en ce moment au laboratoire, c'est de mettre avec cette structure en plus des cellules capables de produire du tissu osseux. Les résultats sont bons, mais restent encore pas optimaux. Finalement, les cellules, on les mettait dans un milieu où il n'y avait ni à boire ni à manger, et elles finissaient par mourir. Soit elles mouraient par manque d'oxygène, soit elles mouraient parce qu'elles n'avaient plus à manger. Et on s'est aperçu, après un certain nombre d'études in vitro et in vivo, qu'elles mouraient finalement parce qu'elles n'avaient plus de nutriments, en particulier parce qu'elles n'avaient plus de glucose. La solution qu'on est en train de développer actuellement, c'est de rajouter du glucose. Ça va avoir plusieurs avantages. Ça va permettre aux cellules de survivre. Elles vont aussi mieux sécréter des médiateurs chimiques qui vont aider à la formation du tissu osseux. Ce qu'on peut espérer à terme, c'est d'éviter aux patients le prélèvement d'une greffe osseuse et d'avoir une réparation systématique en quelques semaines au lieu que parfois ça dure quelques années.